Nous allons maintenant accueillir un troisième membre du Centre de recherche en psychologie de l'UPJV. Je crois que vous êtes tous, vous faites tous partie de ce centre. Et donc, c'est Monsieur Dimitri Vast. On dit Vast. Qui donc est doctorant en psychologie et qui travaille particulièrement, d'après ce que j'ai pu voir, effectivement, sur le sommeil et l'apprentissage. Hein, c'est votre spécialité, le sommeil, l'apprentissage, la mémoire. Et donc, vous allez nous parler aujourd'hui toujours de cette question, après les élèves, après les petits, on va passer aux très grands, de cette question du retour hein, sur ce que nous a appris la Covid. Et donc, ce sera sommeil et qualité de vie des étudiants en période de Covid-19. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Dimitri Vaz, donc je suis doctorant et puis attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc département de psychologie à l'UPJV. Donc initialement, moi, mes recherches portent plutôt sur les apprentissages, la mémoire, puis un versant aussi sommeil, sur comment voilà, ces apprentissages vont être consolidés par le sommeil. Et puis en parallèle, on a aussi commencé à s'intéresser, donc en temps normal hors Covid, à la qualité du sommeil chez les étudiants. Et puis, voilà, il y a eu le Covid qui est arrivé, les périodes de confinement. On s'est dit, tiens, il se passe quelque chose d'assez inhabituel qui va probablement influencer cette qualité du sommeil des étudiants. Donc, je vais commencer par le concept de qualité de vie. Donc, c'est quelque chose en fait d'assez flou. Donc, chacun pourra avoir sa définition de la qualité de vie. Et puis, dans la littérature, on a énormément de définitions différentes. Une définition que moi, j'ai relevée, ce serait que la qualité de vie, c'est la façon dont l'individu va évaluer la qualité de différents aspects de sa vie. Et que, souvent, la qualité de vie, ça peut être synonyme de bien-être. Donc, ce qu'on peut retrouver dans la qualité de vie, donc différents facteurs que j'ai pu relever, donc c'est tout ce qui va être famille, les loisirs, la santé, les finances, le self, donc le soi, les émotions, la satisfaction de vie et puis le travail. Donc autant de facteurs qui vont être en interaction avec un facteur un peu plus global qu'on va appeler la qualité de vie. Et puis, en cherchant un peu, j'ai trouvé qu'en fait, tous ces facteurs qui sont en interaction avec la qualité de vie vont aussi être en interaction avec le sommeil. Donc, on a des liens bidirectionnels entre la famille, le sommeil, les loisirs, le sommeil, etc., etc. Donc, on pourrait supposer qu'il y aurait un lien comme ça un peu indirect entre qualité de vie et puis qualité du sommeil. Et puis, il y a d'autres études qui ont montré là un lien direct, une corrélation positive entre justement la qualité de vie des individus et puis la qualité du sommeil. Donc, ça peut être intéressant quand on s'intéresse à la qualité de vie. De s'intéresser en particulier à la qualité du sommeil donc des individus. Donc ce sommeil va intervenir dans énormément d'aspects de la vie quotidienne de chacun, donc notamment la santé, le bien-être, puis comme je viens de le montrer, donc la qualité de vie. Ce sommeil, on peut le distinguer en deux versants, un versant qualitatif, et puis un versant quantitatif, ces deux versants étant bien sûr interconnectés
Et puis, il y aurait une nécessité de ne pas étudier ces deux versants de façon séparée, mais vraiment de s'intéresser à ces deux versants du sommeil en parallèle. Donc aujourd'hui, ce qu'on va entendre par qualité du sommeil, ça va être tout ce qui est difficulté lié au sommeil, et puis ce qu'on appelle les parasomnies. Donc ces parasomnies sont la définition, donc sont des événements physiques ou expérientiels qui sont indésirables au cours du sommeil. Pour autant, ce ne sont pas des pathologies du sommeil. Ce sont des choses qu'on voit tous, qu'on expérimente tous, plus ou moins quotidiennement, fréquemment, etc., qui sont indésirables, mais c'est pas considéré comme pathologique. Et puis à côté de ça, le versant quantitatif du sommeil, donc on va s'intéresser aujourd'hui sur la durée, combien de temps on dort, et puis sur les horaires de sommeil. Donc il y a quand même pas mal de littérature au niveau international sur la qualité, la quantité de sommeil chez les étudiants. Et ce qu'on relève assez généralement, c'est que les étudiants donc à l'université ont une mauvaise qualité de sommeil et puis une quantité de sommeil insuffisante. Maintenant, en France, donc toujours en temps normal hors Covid, on a relevé seulement deux études qui se sont intéressées à la qualité, aux quantités, donc au sommeil des étudiants à l'université. Deux études, donc celle de Printemps et collaborateurs et celle de Valla et collaborateurs. Et donc ce que ces études ont relevé, c'est que au niveau de la durée de sommeil de ces étudiants, ils vont dormir davantage le week-end par rapport à la semaine, et puis ils vont décaler leurs horaires de sommeil le week-end par rapport à la semaine, c'est-à-dire que le samedi ou le dimanche, ils vont se lever plus tard et se coucher plus tard que ce qu'ils font en semaine. Ce qui pourrait en fait témoigner d'une dette de sommeil des étudiants, c'est-à-dire que la dette de sommeil, ce sont toutes ces heures de sommeil qu'on n'a pas parce qu'on s'est couché plus tard pour des raisons quelconques et qu'on doit se lever tôt, et qu'au final, notre durée de sommeil réelle serait insuffisante par rapport aux besoins qu'on aurait de sommeil. Donc on a une déperdition de la quantité de sommeil, ce qu'on appelle la dette de sommeil, qui est donc relevée chez les étudiants en temps normal. Et puis, au niveau de la qualité du sommeil, on relève principalement des difficultés à s'endormir, des réveils précoces le matin, des réveils fréquents au cours de la nuit, une certaine proportion d'étudiants qui ont quand même des épisodes de somnambulisme, et puis de somniloquie. Donc, le fait de somniloquie, c'est le fait de parler en dormant. Bon, les chiffres ne sont pas forcément très élevés, mais ce sont quand même des événements qui sont présents chez un certain nombre d'étudiants qui peuvent impacter en fait, leur qualité de sommeil. Donc, à partir de là, on a eu la période de Covid qui est arrivée avec les périodes de confinement à partir de 2020, et donc on a mené une étude, une enquête en ligne, donc qui a été publiée là au mois de septembre, donc dans Psychologie française. Donc étude dans laquelle on s'est intéressé justement à la qualité, à la quantité de sommeil chez les étudiants, et en particulier pendant les deux premiers confinements. Pour recontextualiser, donc début 2020, on a une propagation du SARS-CoV-2, donc le coronavirus. Donc l'OMS qui déclare une pandémie mondiale autour du 11 mars. Et donc on a eu comme ça, début 2020, un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement jusqu'à l'arrivée d'un premier confinement. Donc du 17 mars au 11 mai 2020, donc un premier confinement de 55 jours,
un deuxième plus tard, donc d'octobre à décembre, donc de 47 jours, et puis encore après, en 2021, un troisième confinement, donc d'avril à mai 2021, donc là de 28 jours. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est des données en lien avec ces deux premiers confinements. Donc ces deux premiers confinements ont été vécus de façon très différente en fonction donc des individus. On a eu des conditions de confinement multiples. Donc grossièrement, le fait d'avoir été confiné à plusieurs, en famille, entre amis ou tout seul. Le fait d'être confiné en appartement ou en maison, en milieu urbain, rural, etc. La taille du logement aussi a eu un impact sur le vécu de ces confinements. Et puis les personnes qui ont continué de se rendre sur leur lieu de travail pendant ces confinements, les personnes qui étaient en télétravail et puis les personnes qui ont dû être au chômage partiel pendant cette période. Là encore, des éléments qui ont fait que les confinements ont probablement été vécus différemment entre les individus, plus tous les autres facteurs que je ne cite pas, et puis ces facteurs qui interagissent les uns avec les autres. Et puis la fameuse attestation de déplacement qu'on devait tous remplir pour sortir de chez soi. Donc, comment ça s'est passé à l'université? Donc, sur le premier confinement, on avait donc des enseignements qui ont été délivrés majoritairement de façon asynchrone. Donc l'enseignant pouvait enregistrer des vidéos ou enregistrer des PowerPoint audio qu'il déposait sur une plateforme et les étudiants allaient consulter ces documents quand ils le désiraient, donc pas forcément en temps réel. Donc on a une majorité de ces enseignements qui étaient asynchrones. Et puis pendant le deuxième confinement, là on a eu l'inverse. On a eu une majorité des enseignements qui se sont faits cette fois-ci de façon synchrone à distance. Donc là en fait les étudiants suivaient leur emploi du temps en temps réel par des systèmes de visioconférence. Donc on a eu comme ça une modification des marqueurs sociaux et des horaires des activités des étudiants, sachant que voilà, les enseignements des étudiants à l'université, c'est quand même un marqueur social fort dans la vie des étudiants. Voilà, ça oblige l'étudiant à se lever le matin, à suivre un certain nombre d'enseignements qui vont rythmer sa journée. Et donc forcément, si on modifie ce marqueur social, on va modifier aussi donc, les rythmes sommeil-éveil. Donc forcément, on va modifier aussi la qualité du sommeil en lien avec ce rythme sommeil-éveil. Donc on a mené une enquête par questionnaire en ligne qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis en fait d'avoir pas mal d'étudiants qui ont répondu à notre questionnaire. Donc pendant le premier confinement, on a eu 1427 étudiants qui ont répondu, et pendant le deuxième, on a eu 4390 étudiants. Donc les conditions d'inclusion qu'on précise aux étudiants, donc c'était d'abord d'être étudiant à l'université. Donc on a restreint en fait notre échantillon, donc tout ce qui est grandes écoles, BTS, on a exclu, par exemple, on a exclu des données. Il fallait être bien sûr confiné, avoir entre 18 et 25 ans. Pourquoi entre 18 et 25 ans? Donc on a la majorité des étudiants qui se situent dans cette tranche d'âge, et puis ça nous permettait aussi d'exclure des étudiants un peu plus âgés, puisqu'on sait aussi que la structure du sommeil et la régulation du sommeil évoluent avec l'âge. Donc si on incluait des personnes un peu plus âgées, potentiellement il y aurait eu un biais par rapport à nos données. Et puis la langue maternelle, le français, pour aussi mettre de côté, par exemple, des étudiants Erasmus pour qui la situation était encore différente
par rapport aux étudiants français. Donc tous ces étudiants, ils ont été issus donc, de 36 universités réparties sur toute la France métropolitaine. Donc là encore, on a mis de côté les DOM-TOM pour qui la situation de Covid et des confinements était encore différente par rapport à la France métropolitaine. Donc dans ce questionnaire, donc on avait questionnaire en ligne qu'on a, on a utilisé le logiciel Lime Survey. Donc on avait 23 questions. Donc d'abord des questions sur les horaires de lever de coucher des étudiants. Donc on leur demandait en ce moment, donc là pendant le confinement, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, à la fois en semaine et le week-end. On a distingué les deux. On leur demandait aussi rétrospectivement, avant chacun des confinements, à quelle heure vous vous leviez, à quelle heure vous couchiez, là aussi en semaine et puis le week-end. Et puis on s'est intéressé à ce qu'on a appelé les horaires idéaux de sommeil. Donc dans l'idéal, si vous étiez libre de toute contrainte, donc que ce soit des contraintes personnelles, des contraintes scolaires, professionnelles, etc. Donc si vous étiez complètement libre, à quelle heure vous vous lèveriez, à quelle heure vous vous coucheriez, à la fois en semaine et le week-end. Ensuite, on avait des questions sur les difficultés de sommeil. Donc on leur demandait en ce moment, donc pendant chacune des périodes de confinement, est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que vous vous réveillez fréquemment la nuit? Est-ce que vous vous réveillez trop tôt le matin? Est-ce que vous avez une sensation de manquer de sommeil? Et puis est-ce que vous pensez que votre sommeil est de mauvaise qualité? Donc à chaque fois, là, les étudiants répondaient oui ou non pour chacune de ces questions. Et puis on avait des questions sur les parasomnies, hein, donc ces événements indésirables qui se déroulent au cours du sommeil, mais qui pour autant sont normaux. Donc on avait une question donc, sur les hallucinations. Donc il faut savoir qu'au moment où on s'endort ou au moment où on se réveille, il peut se passer, on peut halluciner, entendre des voix ou voir des choses, qui c'est tout à fait normal puisqu'on est sur transition entre le sommeil et puis l'éveil. On avait une question sur les paralysies du sommeil, donc le fait de ne plus pouvoir bouger en se réveillant. Donc c'est quelque chose là encore qui peut arriver, qui est normal. Donc le fait en se réveillant de ne plus pouvoir bouger du tout, pourtant on est réveillé et puis pendant quelques secondes on va être incapable de faire le moindre mouvement. Une question sur le somnambulisme, sur les cauchemars, la somniloquie, donc le fait de parler en dormant, et puis le bruxisme, donc le fait de grincer des dents. Donc ça, on s'est penché sur les parasomnies les plus fréquentes. Il y en a beaucoup d'autres. On a vraiment pris celles qui sont les plus fréquentes pour notre questionnaire. Et cette fois-ci, les étudiants répondaient à une échelle de fréquence qui allait donc de chaque nuit jusqu'à jamais au cours du confinement. Donc, au niveau des résultats, donc, premièrement sur les horaires de coucher, donc ici vous avez les distributions des horaires de coucher, donc les horaires réels. Donc, les horaires réels sont en très plein, et puis les horaires idéaux des étudiants qui sont en pointillé. La semaine, ça va être en gris, et puis le week-end en noir. Et puis premier confinement à gauche, deuxième confinement à droite. Donc ce qu'on constate ici, c'est que quel que soit le confinement, que ce soit pendant le premier ou pendant le deuxième, on a un décalage des horaires de sommeil le week-end par rapport à la semaine, c'est-à-dire que pendant le week-end, les étudiants vont se coucher plus tard que pendant la semaine. Et ce décalage, il est d'autant plus marqué pendant le premier confinement par rapport au deuxième confinement. Donc, pendant le premier confinement, les étudiants allaient se coucher plus tard que pendant le deuxième.
Maintenant, si on compare les horaires idéaux par rapport aux horaires réels, ce qu'on constate, c'est que les étudiants auraient souhaité en fait, se coucher plus tôt qu'ils le faisaient réellement. Et après, si on compare maintenant donc, les horaires pendant le confinement aux horaires précédant chacun de ces confinements, donc les horaires pendant sont en très plein et les horaires qui précèdent chacun des confinements sont en tiré. Ce qu'on constate ici, c'est que pendant le confinement, les étudiants allaient se coucher plus tard que sur les périodes qui précédaient chacun des confinements. Maintenant, si on regarde les horaires de lever, donc les horaires réels, donc on constate que les étudiants se levaient plus tard le week-end par rapport à la semaine et plus tard pendant le premier confinement par rapport au deuxième confinement. Là encore, par rapport aux horaires idéaux, donc là, les étudiants ont rapporté qu'idéalement, ils auraient souhaité se lever plus tard qu'ils le faisaient réellement, que ce soit pendant le premier ou le deuxième confinement. Et la comparaison avant-pendant. Donc pendant les confinements, les étudiants se levaient plus tard que sur les périodes qui précédaient chacun de ces confinements, sauf le week-end. Le week-end, on n'avait pas de différence entre chacun des confinements et la période précédente par rapport aux horaires de lever. Donc, ce qu'on peut en dire déjà sur ce premier volet quantitatif, c'est qu'on a, pendant les confinements, un décalage tardif des horaires de sommeil entre la semaine et le week-end. Donc, les étudiants allaient se coucher plus tard le week-end par rapport à la semaine. Mais donc c'est un résultat qu'on retrouve aussi en dehors du confinement, mais ce qu'on constate ici, c'est que ce décalage il va être moins important pendant ces confinements, entre la semaine et le week-end. Donc comment on pourrait expliquer qu'on ait justement ce décalage qui soit moins important? C'est que déjà, on aurait une diminution donc, des contraintes sociales, puisqu'on est confiné et principalement quand les enseignements sont asynchrones, donc on n'a plus cette contrainte de se lever à une heure précise le matin pour suivre les enseignements. On est limité aussi dans un certain nombre d'activités qu'on avait avant, qu'on ne peut plus faire maintenant. Donc on a moins de contraintes sociales. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les étudiants ont adopté un rythme de sommeil qui est presque similaire, en tout cas au niveau des horaires, qui est presque similaire entre la semaine et le week-end pendant ces confinements, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc on a un décalage des horaires de sommeil de la semaine vers ce que sont les horaires de sommeil pendant le week-end. Et puis, on a aussi un décalage entre ce qu'on a relevé comme horaire réel de sommeil et puis ce que les étudiants déclarent vouloir adopter comme horaire, ce qu'ils souhaiteraient avoir comme horaire de sommeil. C'est-à-dire que même quand on diminue en fait, les contraintes, ces contraintes sociales sur des étudiants, ces étudiants ne vont pas complètement adopter les horaires de sommeil qu'ils souhaiteraient avoir en fonction du besoin qu'ils ressentent par rapport à au sommeil. Maintenant, sur le temps passé au lit, donc on n'a pas étudié la durée de sommeil en tant que tel, puisque pour étudier la durée de sommeil, en fait, il nous faudrait des enregistrements physiologiques qu'on n'a pas pu mettre en place par le biais de questionnaires. Donc, on s'est plutôt intéressé au temps qui est passé au lit, c'est-à-dire la différence entre l'horaire de lever le matin et l'horaire de coucher le soir,
et on calcule comme ça un temps passé au lit. Donc le temps passé au lit va être plus important le week-end par rapport à la semaine. Le week-end, pendant chacun des confinements, le temps passé au lit va être plus important par rapport aux périodes précédentes. Donc il y a une erreur sur le diapo. Donc c'est pendant le confinement, les confinements, on a davantage de temps passé au lit par rapport à la période précédente. En semaine, pendant le premier confinement, on avait davantage de temps passé au lit par rapport à la période précédente, ce premier confinement. Et puis, par contre, pendant le deuxième confinement, on n'avait plus de différence entre pendant le confinement et avant le deuxième confinement. Et puis, pendant le premier confinement, on avait davantage de temps passé au lit par rapport au deuxième confinement. Donc ce qu'on peut en dire, c'est que globalement, sur ce temps passé au lit, on a une augmentation pendant chacun des confinements, une augmentation du temps qui est passé au lit. Donc si on met en perspective donc, les horaires de sommeil avec le temps passé au lit, donc c'est pendant le premier confinement, on a des horaires et un temps passé au lit qui est proche, similaire entre la semaine pendant le confinement et avant le premier confinement par rapport au week-end. Donc, en gros, pendant ce premier confinement, pendant la semaine, on va adopter des horaires et on va avoir un temps passé au lit similaire à ce qu'on avait pendant le week-end avant. Donc, on a un décalage des habitudes de sommeil. Et ce qu'on relève pendant le deuxième confinement, c'est qu'on a uniquement un lever qui va être plus tardif en semaine par rapport à la période précédente ce confinement. Donc, comment on va expliquer la différence entre ces deux confinements, c'est que on a des marqueurs sociaux qui sont différents. Donc, comme j'ai déjà dit précédemment, donc principalement, en tout cas nous on a mis l'accent sur ces facteurs, c'est les enseignements qui vont être synchrones ou asynchrones en fonction de ces confinements. Ce qu'on peut en dire ici, c'est que le suivi en fait des enseignements en temps réel, c'est vraiment un marqueur social qui va être important dans la régulation du sommeil, sans forcément se rendre directement à l'université, mais rien que par le système de visioconférence qu'on avait notamment, qui s'est largement démocratisé pendant le deuxième confinement, on a quelque chose qui nous force notamment à se lever le matin les enseignements qui vont rythmer notamment la journée. Maintenant, sur le versant qualitatif, donc ici, on a les difficultés de sommeil, donc la sensation d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes fréquents, réveil précoce, et puis une sensation de manque de sommeil. Pendant le premier confinement en bleu et pendant le deuxième confinement donc, en vert, et donc on a la proportion d'étudiants qui ont indiqué avoir, qui ont dit oui, j'ai cette difficulté pendant soit le premier confinement, soit pendant le deuxième confinement. Donc ce qu'on constate, c'est que on a une minorité d'étudiants qui ont rapporté avoir un réveil précoce, que ce soit pendant le premier ou le deuxième confinement. Malgré tout, on avait entre 30 et un peu plus de 40% d'étudiants qui rapportaient avoir cette difficulté de sommeil, donc se réveiller trop tôt le matin, ce qui est malgré tout pas négligeable. Et par contre, on a une majorité des étudiants qui ont déclaré, donc que ce soit pendant le premier confinement ou pendant le deuxième confinement, avoir un sommeil de mauvaise qualité, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes fréquents, et puis un manque de sommeil. Donc on a des difficultés de sommeil qui sont bien présentes pendant ces deux confinements. Maintenant, si on compare les deux confinements, donc on constate qu'au niveau des difficultés d'endormissement, on n'a pas de différence entre les deux confinements et on n'a pas non plus de différence sur les réveils précoces. Par contre,
sur le sommeil de mauvaise qualité. Donc, les étudiants rapportent davantage un sommeil de mauvaise qualité pendant le deuxième confinement que par rapport au premier. On a la même chose pour les réveils précoces et pour la sensation de manque de sommeil. Donc, on aurait des difficultés de sommeil qui seraient accentuées pendant le deuxième confinement par rapport au premier. Donc, comment on pourrait expliquer ces résultats ? Donc, ce qu'on a constaté dans la littérature, donc d'autres études ont rapporté que pendant les périodes de confinement, on avait l'apparition donc de symptômes d'insomnie qui apparaissaient spécifiquement, en tout cas qui étaient accentués pendant ces périodes de confinement. Ce qu'on pourrait mettre en lien justement, nous, avec les difficultés d'endormissement qu'on a relevées et pendant les réveils nocturnes, qui seraient en faveur justement d'une certaine, en tout cas, insomnie chez les étudiants. Et puis, ces différentes difficultés de sommeil qu'on a relevées, il pourrait y avoir une influence mutuelle entre ces différentes difficultés. C'est-à-dire que si on a du mal à s'endormir et puis qu'on se réveille plusieurs fois pendant la nuit, on va avoir une sensation donc de manque de sommeil. Si on a une sensation de manque de sommeil, on va pouvoir estimer qu'on a un sommeil de mauvaise qualité. Et les liens seraient sûrement réciproques entre ces différentes difficultés. Donc, ces différentes difficultés pourraient s'expliquer par leur influence mutuelle. Et puis, on peut faire des liens avec les aspects quantitatifs qu'on a relevés précédemment. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé d'un coucher plus tardif chez les étudiants, qui pourrait, par exemple, s'expliquer par ce qu'on relève ici, donc des difficultés d'endormissement. Et puis, l'augmentation du temps passé au lit par ces réveils nocturnes qu'on a relevé, sachant que les besoins de sommeil, que vous vous réveillez une fois ou 10 fois pendant la nuit, vous avez toujours les mêmes besoins de sommeil. Donc plus vous allez passer de temps éveillé au lit, plus vous allez augmenter votre temps passé au lit pour essayer de récupérer ces heures de sommeil que vous n'avez pas eues parce que vous faites des insomnies pendant la nuit. D'autant plus que il n'y a pas d'obligation de se lever à une heure précise le lendemain matin, donc on va passer davantage de temps au lit. Maintenant, concernant les parasomnies, donc les hallucinations, paralysie du sommeil, somnambulisme, cauchemar, somniloquie, donc parler en dormant, et puis le bruxisme, donc grincer des dents. Donc on a une minorité d'étudiants qui ont rapporté avoir au moins un épisode d'hallucination, de paralysie du sommeil, de somnambulisme et puis de bruxisme au cours de chacun de ces confinements. Par contre, on a là au niveau des cauchemars et puis de la somniloquie, une majorité d'étudiants qui ont rapporté avoir au moins un épisode de cauchemar ou de somniloquie. Maintenant, si on compare ces deux confinements, donc on n'a pas de différence entre les deux confinements concernant les hallucinations, le somnambulisme, la somniloquie et puis le bruxisme. Par contre, sur les paralysies du sommeil, on a une augmentation pendant le deuxième confinement par rapport au premier. Et puis, on a eu davantage de cauchemars chez les étudiants pendant le premier confinement par rapport au deuxième. Donc là encore, si on essaie de faire des liens entre les données qualitatives et quantitatives, donc on constate en fait que les cauchemars sont quand même la proportion d'étudiants rapportant des cauchemars pendant chacun des confinements est quand même très élevée, ce qui pourrait expliquer aussi ces réveils nocturnes fréquents qu'on a pu relever précédemment. Et puis les parasomnies, par définition, donc, qui sont des événements indésirables. Le fait que les étudiants relèvent quand même un certain nombre de parasomnies pendant les périodes de confinement, ça pourrait
aussi expliquer pourquoi les étudiants en tout cas jugent que leur sommeil est de mauvaise qualité. Par ailleurs, on relève aussi dans la littérature que les parasomnies peuvent être liées au stress. Le stress qui va jouer sur la qualité du sommeil. Et donc, en retour, on va avoir une influence, si vous avez plus de stress, donc un sommeil de moins bonne qualité, donc davantage de parasomnie, on a comme ça une espèce de cercle vicieux entre parasomnie, stress et puis sommeil. Donc comment, quelles sont les perspectives, comment on peut expliquer tous ces résultats? Donc, dans la littérature, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré l'impact négatif de la période de Covid-19, et en particulier des confinements sur la vie quotidienne donc des individus. Donc impact négatif. Par rapport à ce qui est le fait de devoir se lever le matin, notamment qui est imposé par le suivi des enseignements en temps réel, on sait que, quel que soit l'individu, donc que vous soyez étudiant ou plus tard dans la vie professionnelle ou encore plus tard à la retraite, le fait de se lever matin, c'est vraiment un marqueur social important. Dans la vie de l'individu. Et donc, pendant les périodes de Covid, on a eu un déclin, que ce soit des activités sociales, de divertissement, de loisirs, des activités physiques. Et donc, toutes ces activités, donc sociales, divertissement, loisirs, activités physiques, sont autant de marqueurs qui vont rythmer la journée. Et donc, si on perd ce rythme, on va modifier notre rythme sommeil-éveil, donc forcément influencer la qualité de notre sommeil. Et puis, ce qui a été relevé dans la littérature, c'est qu'on a directement une interaction entre le déclin des activités sociales et puis les difficultés de sommeil. Donc, ces activités sociales, c'est vraiment un marqueur, ce qu'on appelle un marqueur circadien. Donc, les marqueurs circadiens, c'est tous les marqueurs qui vont rythmer notre rythme sommeil-éveil. Donc, marqueurs circadiens, par exemple, on a les activités sociales, on a les prises de repas, tout ce qui est activité à une heure précise dans la journée. Donc, c'est autant de choses qui vont marquer notre rythme sommeil-éveil. Et puis aussi, ce qu'on constate au final dans nos résultats, c'est que la situation globale de sommeil, elle va être plutôt dégradée pendant le premier confinement, un peu moins pendant le deuxième, par rapport aux périodes hors confinement. Et donc au final, le fait que le deuxième confinement se retrouve comme ça, dans une situation moins pire que le premier confinement, mais malgré tout davantage détérioré par rapport à cette période hors confinement, ça pourrait s'expliquer par rapport au fait aussi que les restrictions, les conditions de confinement ce deuxième confinement étaient moins restrictives pendant ce deuxième confinement, et puis par le fait que on n'est plus dans quelque chose d'inconnu comme on avait pendant le premier confinement. On a déjà eu un premier confinement précédemment. On a une idée de ce qui va nous arriver pendant ce deuxième confinement. D'autres facteurs d'explication, c'est que la pandémie de Covid-19, elle a eu un impact important sur l'apparition des symptômes de stress, d'anxiété, de dépression qui ont explosé dans la population générale et qui ont été encore plus accentués chez les plus jeunes, adolescents, jeunes adultes. Donc ces symptômes de stress, anxiété, dépression sont connus déjà en temps normal pour modifier la régulation du sommeil dans le mauvais sens, forcément.
Et puis, il y aurait possiblement un lien bidirectionnel, c'est-à-dire que je suis stressé, anxieux, je suis en dépression, ça va influencer mon sommeil. Et puis, si j'ai un sommeil de mauvaise qualité, forcément, ça va influencer mes symptômes de stress, anxiété et puis dépression en retour. Donc, les difficultés, les parasomnies qu'on a, nous, relevées dans notre étude, elles pourraient s'expliquer par ces symptômes de stress, anxiété, dépression, qui entretiendraient aussi en retour leur existence, donc à ces difficultés, à ces parasomnies. Ce qu'on a constaté, c'est que pendant chacun des confinements, donc on a une réduction de la dette de sommeil, puisque les étudiants passent davantage de temps au lit, ils ont des horaires de sommeil qui sont un peu plus élargis, et puis quelque chose qui se rapproche entre les horaires idéaux et puis les horaires réels, même si on n'a pas une correspondance parfaite, on a quelque chose qui se rapproche malgré tout. Mais on n'a pas, malgré tout, de disparition de cette dette de sommeil. Elle est toujours présente, puisqu'on a, malgré tout, un décalage entre la semaine et le week-end. Mais la tendance qu'on a relevée chez les étudiants, ce serait d'adopter les horaires de sommeil du week-end pendant la semaine, alors qu'avant, on avait vraiment une dichotomie entre les deux. Donc on a un décalage entre les horaires adoptés par les étudiants et les besoins réels des étudiants en dehors des confinements. Et donc on aurait le retour de ce qu'on appelle le jet lag social pendant le deuxième confinement. Donc qu'est-ce que c'est le jet lag social? Donc c'est vraiment quelque chose de typique chez les adolescents, chez les étudiants, jeunes adultes. Donc on a un coucher assez tardif pendant la semaine. Tous les soirs en semaine, on va se coucher assez tardivement, malgré le fait qu'on soit fatigué. On n'adopte pas le rythme adapté aux besoins réels. Donc ce qu'on va faire pendant le week-end, c'est qu'on va augmenter la durée de sommeil. Donc on va dormir davantage dans la nuit de vendredi à samedi, samedi à dimanche. Donc le fait de dormir davantage, eh ben, on va décaler ses horaires de lever, de coucher le week-end. Donc on va se lever plus tard le samedi, se coucher plus tard le samedi, se lever encore plus tard le dimanche matin. Et puis on arrive le dimanche soir complètement décalé. Où on n'a pas forcément envie d'aller dormir le dimanche soir avant des heures assez avancées. Et puis le problème, c'est que le lundi matin, eh ben, il faut se lever tôt pour retourner en cours, retourner travailler, etc. Et malgré ça, eh ben, le lundi soir, eh ben, on va recommencer à se coucher tard, etc. Donc on a comme ça un espèce de cercle vicieux, donc ce qu'on appelle le jet lag social, donc le fait d'être décalé entre les horaires de sommeil qu'on adopte par rapport aux besoins réels de sommeil, ce qui serait notamment responsable de la dette de sommeil. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on constate chez les étudiants en temps normal et qui avait plus ou moins disparu pendant le premier confinement et qui est réapparu pendant le deuxième confinement. Donc ce jet lag social des étudiants, c'est quelque chose qui est assez documenté dans la littérature. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire, puisque au final c'est quelque chose d'assez qui n'est pas... Il n'y a pas d'effet bénéfique en fait à ce jet lag social. Donc, une première solution, ça serait d'adapter les horaires d'enseignement par rapport à ce jet lag social des étudiants, c'est-à-dire commencer la journée plus tard et finir plus tard, ce qui pourrait
éventuellement éviter d'accentuer la dette de sommeil. Le problème, c'est que en fait, on risque d'accentuer ce jet lag. C'est-à-dire que les étudiants qui sont décalés, si on décale leur journée d'une heure ou deux, ils risquent de se décaler encore davantage. Et puis, comment on met ça en place? C'est-à-dire que les étudiants, certes, ils viennent en cours, mais ils ont aussi des enseignants face à eux qui n'ont pas forcément le même rythme. Dans la famille, enfin, les étudiants ne sont pas isolés, ils vivent aussi en famille, etc. Et puis, quand plus tard, ils vont arriver sur le marché du travail, comment on met ça en place? Donc, il faudrait revoir beaucoup de choses pour réussir à éventuellement mettre ça en place. Donc, ce ne serait pas forcément... solution forcément très adaptée. Une autre solution, ce serait de faire de la prévention sur l'hygiène de sommeil des étudiants. Donc il y a eu des études qui ont montré que faire de la prévention, éduquer les étudiants sur l'hygiène du sommeil, donc qu'est-ce que c'est que d'avoir un bon sommeil, quelles sont les bonnes habitudes à prendre. Ça va avoir un impact justement sur la qualité des étudiants, la qualité du sommeil des étudiants. Donc c'est quelque chose qui serait davantage envisageable pour améliorer justement la qualité, la quantité de sommeil de ces étudiants. Et notamment une mesure qui pour le coup qui fonctionne vraiment, c'est de maintenir en fait les horaires de sommeil qu'on a pendant la semaine, de maintenir ces horaires pendant le week-end, de façon à ne pas changer de rythme tous les 5 jours, ce qui va entraîner justement cette dette de sommeil, ce jet lag. Si on maintient les mêmes horaires toute la semaine, on va améliorer la qualité de sommeil des étudiants. Et donc ce sommeil chez les étudiants est particulièrement important pour eux puisque il y a des liens, donc là encore bidirectionnels, des liens directs qui ont été montrés entre la réussite à l'université et puis la quantité de sommeil. C'est-à-dire que les étudiants qui dorment le moins pendant leurs études sont les étudiants qui ont le plus de risques d'échouer à l'université. Et de la même façon, on a des liens directs entre la qualité du sommeil. Donc les étudiants qui ont un sommeil perturbé ont aussi le plus de risques d'échouer à l'université. D'où encore une fois l'intérêt de faire de la prévention auprès des étudiants. Les troubles du sommeil donc, augmenteraient le risque d'échec à l'université. Donc on a vraiment là un intérêt pour la promotion d'une bonne hygiène de sommeil, donc là chez les étudiants et puis de façon générale dans la population générale. Voilà, donc, je remercie donc les personnes qui ont pris part à cette étude, donc Nicolas Ribeiro, Yannick Gounden et puis Véronique Waglino. Et puis je vous remercie pour votre attention. Merci pour avoir abordé ce sujet important et pour nous avoir donné beaucoup d'éléments. Moi, j'en profite juste pour poser la première question. Est-ce que dans vos statistiques, vous avez séparé à un moment ou un autre les hommes et les femmes? C'est plutôt, sont plutôt des habitudes familiales. Moi, j'ai pu constater que les fils avaient tendance à se coucher plus tard que les filles, avoir des rythmes un peu différents. Et puis, une deuxième question, mais qui est un petit peu liée. On sait aussi que les rythmes circadiens des adolescents sont différents de ceux des adultes. Est-ce que ça a pu jouer dans... est-ce que vous l'avez pris en compte? Est-ce que ça a pu... vous avez bien évoqué qu'il y avait des changements de rythme qui étaient induits. Est-ce que finalement, au moins pendant le premier confinement, les adolescents, puisqu'on est encore adolescent jusqu'à un certain âge, ont rattrapé des rythmes naturels, peut-être? Alors, sur la différence homme-femme, alors effectivement, c'est quelque chose qui est documenté dans la littérature. Nous, on n'avait pas forcément d'hypothèse là-dessus, donc on n'est pas allé voir.
Ça vaudrait le coup de, pourquoi pas, oui, d'aller voir. Mais non, on n'a pas regardé sur ce, en tout cas sur les périodes de confinement. Ensuite, sur ces rythmes circadiens, donc on n'a pas posé les questions directement aux étudiants. On s'est vraiment intéressé purement au sommeil. En fait, ces rythmes circadiens seraient des facteurs explicatifs à nos résultats. Après, on a des éléments dans les littératures qui disent voilà, les périodes de confinement, elles ont complètement chamboulé les rythmes de vie. Donc dans ces rythmes circadiens, voilà, il y avait le fait de se lever le matin, toutes les habitudes qu'on va avoir à heure précise tous les jours, les prises de repas, l'exposition à la lumière, donc le fait d'être restreint pour sortir dehors où on a le droit, je sais plus, je crois que c'était une heure par jour. Forcément, voilà, ça va modifier un certain nombre de facteurs qui vont influencer le sommeil des étudiants. Après, pour pouvoir dire que au final, on aurait adopté des rythmes plus naturels pendant les confinements par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir, il aurait fallu en fait supprimer toutes les restrictions qu'on avait. Là, il y avait trop de contraintes pour se sentir complètement libre de faire ce qu'on voulait entièrement. Merci beaucoup, Dimitri, pour ta présentation. Et j'ai l'impression qu'il manque un élément, du moins, moi, ça m'a questionné très vite, c'est les écrans. Parce que pendant le confinement, on était évidemment socialement, universitairement, enfin, confrontés tout le temps aux écrans. Et ce qu'on sait, parce que tu as parlé de performance académique en lien avec le sommeil, ce qu'on sait par exemple, c'est que le problème des écrans, du numérique, tout ça, chez les enfants d'âge scolaire, c'est l'utilisation passive des écrans. Parce que l'utilisation active des écrans n'a pas d'effet négatif. L'utilisation passive, par exemple, diminue le temps passé avec les personnes de sa famille et donc quelque chose de très social qui est important dans les interactions, dans les apprentissages. Là, c'était un phénomène particulier parce que quand on était seul étudiant dans sa chambre du Crous, c'était aussi le seul moyen d'avoir des interactions sociales, en fait, de passer par les écrans. On sait aussi que pour les jeunes adultes, les réseaux sociaux, finalement, c'est quelque chose de très important. Hein. Le mot le dit lui-même, réseau social. Et puis, toujours dans des études comme ça, sur temps passé sur les écrans et performance scolaire, on va dire finalement que dans les liens, le problème, c'est qu'ils passent beaucoup de temps sur les écrans d'une manière passive et encore plus le soir avant de s'endormir. Donc, cela augmente le temps d'endormissement, ce qui diminue la qualité de sommeil. Il y a ton histoire de cycles comme ça qui posent problème. Et donc, finalement, ils sont plus fatigués, ils apprennent moins bien. Et il y a même des liens avec l'obésité, par exemple, qui sont faits là-dessus. Ils ne vont pas dire que c'est les écrans qui posent problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on y passe tellement de temps qu'on va avoir peut-être moins de temps pour avoir une bonne hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est un petit peu ce que tu as présenté. Donc, est-ce que vous avez questionné ça, en fait, le temps passé sur les écrans, premier, deuxième confinement et... Est-ce que tu as des données sur hors confinement par rapport à la qualité du sommeil ? Alors, effectivement, ce temps d'écran, c'est quelque chose qui est pas mal documenté par rapport au sommeil. Donc, je n'ai pas regardé temps écran versus réussite à l'école, etc. Par rapport au sommeil, donc non, on n'a pas questionné, mais il y a quand même eu des études qui ont montré qu'en fait, oui, bah, le temps d'écran pendant les confinements, il a complètement explosé exponentiellement. Aussi que le temps d'écran augmentait en fait le stress des individus, c'est-à-dire que ce soit la télé ou téléphone ou
le fait d'être exposé aux informations par rapport à la Covid pendant les confinements, ça a augmenté d'autant plus le stress des individus. Donc forcément, on a un impact sur le sommeil. Et puis oui, comme tu disais, pendant ces confinements, les interactions par les écrans, c'était aussi, pour certains, le seul moyen d'avoir des interactions avec d'autres personnes, de garder un lien avec le monde extérieur, rien que ça, puisqu'on était complètement coupé, en tout cas beaucoup coupé du monde. Donc oui, forcément, il y a eu un lien avec le sommeil. Ce qu'on constate, c'est que plus il y a de temps d'écran, moins le sommeil est de bonne qualité. Ce qui pourrait expliquer aussi nos résultats qu'on a relevés ici. Avant de passer le micro, je me permets une question. En fait, j'ai peut-être perdu l'info, je n'ai pas bien compris. Tu as présenté le jet lag social, mais je n'ai pas compris ce qu'il y a de social dans ce jet lag. C'est parce qu'ils sortent plus le week-end plus tard. Pardon, j'ai juste pas compris. C'est la différence entre nos besoins réels et puis ce qu'on va avoir réellement comme habitude de sommeil. On a un décalage donc, qui peut s'expliquer, c'est social, entre le fait que on a des obligations qui nous contraignent plus ou moins dans nos horaires de sommeil. Donc on va avoir un décalage entre le réel et puis les besoins et puis ce qu'on fait réellement. Une petite question, je ne suis pas certaine, peut-être que tu l'as dit, mais je me suis un peu perdue. Justement, en lien avec cet stress, anxiété, dépression qui a été documenté dans la littérature, mais est-ce que vous, dans votre recherche, vous avez évoqué quelques questions concernant cela pour voir si justement, chez les étudiants qui ont participé à votre recherche, il y avait une augmentation de l'anxiété ou des symptômes dépressifs Alors, on n'a pas non plus, on s'est pas non plus intéressé à ces questions. Donc, l'idée de ce questionnaire, qu'on avait 23 questions, sur les premières versions, on en avait davantage. Et puis, pendant les confinements, en fait, tout le monde a lancé plein de questionnaires. Donc, les étudiants étaient sollicités dans tous les sens. Donc, notre idée ici, c'était de faire un questionnaire relativement court. Et puis de façon générale, on sait que plus les questionnaires sont longs, plus on peut s'interroger sur la qualité de réponse des répondants. Donc l'idée, c'est de restreindre le plus possible notre questionnaire. Donc on a vraiment centré sur le sommeil. Donc on a pu relever pas mal de choses. Et après, on est allé chercher les hypothèses explicatives dans d'autres études qui ont été faites justement sur le stress, anxiété, dépression. Ok. Et juste petite, c'est pas question, mais je me disais que peut-être, je sais pas, pour des futures recherches, en fait, cette hygiène du sommeil, en fait, je pense que ça passe aussi pour vraiment tester soi-même. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un rythme plus régulier en fait. Et quand on est étudiant ou même jeune adulte, c'est vrai qu'on est un peu absorbé par cette vie qui est frénétique, qui est très rapide, où tu es demandé par plein de situations différentes. Va dire aux étudiants, couchez-vous toutes les soirs à peu près à la même heure, élevez-vous aussi le week-end, voilà. Quand il y a plein de choses qui viennent un peu nous dire bah non, il faut sortir vendredi, samedi, il y a telle chose. Donc, est-ce que ça pourrait peut-être être intéressant de créer un projet un peu pilote, j'ai envie de dire, où vraiment on met les étudiants, ou même les jeunes adultes, hein, travailleurs, en situation, vraiment, ils s'engagent un peu à tester qu'est-ce que ça fait pour... Oui, mais ça joue sur beaucoup des choses, cette hygiène de sommeil. C'est bon, comme tu as dit, c'était juste une réflexion comme ça. Effectivement, ça pourrait être intéressant, sachant que l'hygiène de sommeil, ça rentre plus largement dans l'hygiène de vie.
Donc il y a peut-être quelque chose de global à faire. Après, c'est vrai que pour avoir donné des cours sur le sommeil aux étudiants, dès qu'on aborde la question, ils sont tout de suite très intéressés. On peut passer 2 heures sur un système de questions-réponses avec les étudiants. Donc déjà, il y a un certain intérêt des étudiants par rapport à ces questions de comment je dors et comment je peux faire pour mieux dormir et quel impact ça va avoir sur ma vie. Et par exemple, très rapidement, on aborde par exemple l'impact de certaines substances sur le sommeil, notamment café, tabac, alcool, sur justement le sommeil, l'impact que ça va avoir sur la nuit de sommeil suivante. Et donc, ils se rendent compte que quand ils font des soirées étudiantes où ils font des mélanges d'alcool, de café, tabac, autres, ça explique pourquoi ils passent une mauvaise nuit de sommeil après, voire une deuxième derrière. Donc ça peut être intéressant sur un projet global de qualité d'hygiène de vie, incluant justement cette hygiène de sommeil. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une... Ok, je vais essayer d'aller très vite du coup. D'abord, merci Dimitri pour cette très belle présentation. À mon avis, effectivement, ça soulève un enjeu capital hein, que s'intéresser à ce temps de sommeil qui représente un tiers de notre vie. Est-ce que tu peux remettre rapidement la diapo 35? Ouais, alors sur cette diapo-là, je me suis posé une question et j'aimerais juste élaborer avec toi. J'ai eu l'impression à cette diapo-là que tu disais que finalement adopter les horaires d'enseignement au jet lag des étudiants n'était pas une possibilité et que par conséquent il fallait se tourner vers des notions d'hygiène du sommeil. La question que je me pose, c'est finalement faire de la science basée sur des données, etc. Est-ce que ça ne sert pas aussi un tout petit peu à bouger les lignes quand on sait, par exemple, que les étudiants ont effectivement une chronotypie qui va les pousser un petit peu à se lever plus tard, à se coucher plus tard? Est-ce qu'on peut imaginer aussi des ajustements, peut-être à l'heure du numérique et de tout ce qu'on a vécu pendant le confinement, pour permettre à ceux qui... j'ai envie de dire naturellement, avec toutes les limites que ça apporte, hein, ont besoin de se lever un peu plus tard et de se coucher un peu plus tard. Est-ce que la réponse n'est pas au milieu entre ces deux-là, ou peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, et tant mieux, quoi. Enfin, donc c'est la question que je te pose. Je voudrais juste préciser aussi, merci et bravo Dimitri, juste effectivement par rapport à cela, il y a eu des études qui ont montré, enfin, qui datent... 30, 40 ans hein, sur la chronopsie chez notamment des élèves, etc. Je crois qu'on ne l'a jamais expérimenté. Les écoles sont toujours très, très mauvaises pour le respect des rythmes. Sur cette histoire de sommeil chez les étudiants, personnellement, je pense que c'est vraiment un problème de santé publique actuellement, avec les écrans, avec etc., ce que tu disais, Fédé. Mais Et nous, on a été étonnés. Alors, le confinement n'a pas duré assez longtemps, je crois. On a été étonnés. C'est terrible de dire ça. Mais je crois qu'on a été étonnés de ne pas retrouver quelque chose de plus naturel, justement. Et en fait, il n'y avait pas la pression de se lever, etc. Néanmoins, on n'a pas eu un décalage énorme. Et c'était vraiment le plus gros des résultats. Juste aussi, je profite d'avoir le micro, pour parler de l'anxiété et de la dépression, il y a eu un autre travail qui a été fait dans l'équipe avec Hugo Pellegrina. Et on s'est rendu compte aussi, là, étonnement, c'est que les personnes qui étaient déprimées n'ont pas souffert du confinement. Et autant les anxieux, effectivement, voilà, mais les dépressifs n'ont pas souffert parce qu'ils étaient déjà isolés socialement, ils avaient déjà des histoires. Et donc, effectivement, ce confinement, il y a eu beaucoup moins d'effets à la fois sur le rythme naturel et les conditions de confinement. Voilà, c'était juste pour rappeler ça. Alors, sur le fait d'adapter les horaires d'enseignement au décalage des étudiants, c'est quelque chose que j'ai retrouvé plusieurs fois dans la littérature, des propositions qui émergent.
Maintenant, encore une fois, les étudiants ne sont, sont pas isolés du reste des individus de la société. C'est-à-dire que leurs enseignants vont pas avoir le même rythme qu'eux. Après, les étudiants s'inscrivent aussi dans un cadre familial qui n'a pas le même rythme non plus. Et puis après, on sait que nos horaires de sommeil évoluent aussi au cours de la vie. Donc à ce moment-là, si on adapte les horaires de sommeil et d'activité des étudiants, pourquoi on n'adapte pas les horaires des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes? Et en fait, on va être complètement en conflit de tout le monde avec tout le monde par rapport à ces horaires habituels qui, au final, ne sont pas compatibles. Maintenant, ce qu'on pourrait envisager, c'est pourquoi pas ce qui s'est fait pendant le premier confinement, c'est-à-dire proposer un enseignant qui se filme, qui met sa vidéo sur une plateforme. Maintenant, qu'est-ce que c'est un enseignement de ce type vidéo versus un enseignement réel? C'est quoi l'interaction que l'étudiant peut avoir avec un enseignant en temps réel ou par mail? C'est pas du tout la même chose. Il y a probablement des études qui ont été faites là-dessus. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'université aussi? Est-ce qu'on va tendre vers quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'on continue à garder les liens en face à face, les interactions, même entre étudiants? Parce que si on met un étudiant devant une vidéo, on supprime l'interaction qu'il peut avoir avec ses pairs, avec l'enseignant, etc., etc.